Bonjour, les stagiaires. Bonjour à tous. On va voir maintenant le module budget. On va entamer aujourd'hui une autre séquence qui s'intitule le budget d'investissement. Première chose à faire, c'est définir l'investissement. La décision d'investissement peut s'analyser comme le choix de l'affectation de ressources à un projet industriel, commercial ou financier en vue d'en tirer un supplément de profit. Idem, la décision d'investissement peut s'analyser s'il y a l'affectation des ressources à un projet industriel, commercial ou financier. À tirer un profit. C'est un pari sur l'avenir, traduisant à la fois un risque, mais aussi une certaine confiance qui entraîne des dépenses actuelles certaines et des gains futurs incertains ou aléatoires. C'est un pari sur l'avenir, traduisant à la fois un risque, mais aussi une certaine confiance qui entraîne des dépenses actuelles certaines et des gains futurs incertains ou aléatoires. Toute décision de l'investissement doit précéder de plusieurs étapes. Doit précéder, maintenant, plusieurs étapes. Le choix technique de l'investissement, projeté avec une étude préalable et une étude d'opportunité selon les besoins détectés. Le choix de l'investissement selon la rentabilité économique. Le choix du moyen de financement et l'étude du coût de financement. Évaluation de la rentabilité globale ou financière du projet. Je recommence. Puis, toute décision d'investissement doit être précédée de plusieurs étapes. Première étape, le choix technique de l'investissement, projeté avec une étude et une étude d'opportunité selon les besoins détectés. Deuxième étape, le choix de l'investissement selon la rentabilité économique prévisible. Troisième étape, le choix du moyen de financement et l'étude du coût de financement. Dernière étape, c'est l'évaluation de la rentabilité ou financière du projet. Donc, la gestion des investissements consiste à comparer la rentabilité économique de ces derniers avec le coût de financement. Il faut comparer. La rentabilité économique de cet investissement avec le coût de financement de l'opération, afin de faciliter la prise de décision par les dirigeants. Après décision d'investissement, un plan de financement équilibré doit être élaboré par les services financiers d'entité. Maintenant, on va entamer les catégories d'investissement. Les catégories d'investissement, selon leur impact, dans la catégorie d'une entreprise, il est possible de distinguer plusieurs catégories d'investissement, de remplacement, de renouvellement, de maintien, du nouveau d'équipement d'infrastructure. Deuxième catégorie, de capacité, ça veut dire augmenter la production, de modernisation, de productivité, ça veut dire réduire les coûts. Troisième catégorie, de croissance interne ou externe. Et enfin, d'expansion ou de développement, de diversification de nouveaux produits. C'est ça, les catégories, il faut les examiner. Je recommence. Il y a investissement, de remplacement, de renouvellement, de maintien du niveau d'équipement d'infrastructure, de capacité, de modernisation, de productivité, de croissance interne ou externe. Il y a un ordre d'expansion, de développement, de diversification. Maintenant, on va entamer classification des investissements. Et de la même façon, selon la nature spécifique, les investissements peuvent être immatériels ou les matériels ou les financiers.
matérielle, immatérielle, financière. De la même façon, selon leur nature spécifique, les investissements peuvent être immatériels, matériels, financiers. Sur le matériel, il y a recherche appliquée, recherche développement, études, formation, qualité. Matériel ou équipement, machines, infrastructures, terrain, construction, financière, acquisition d'études immobilisées, placement de prise de participation. Maintenant, on va voir les conséquences de l'exploitation de l'investissement. Tout investissement induit des flux positifs, c'est-à-dire des produits d'export nouveaux, des recettes supplémentaires, d'où les flux positifs. Il y a le prix de cession éventuel de l'équipement et il y a encore des flux négatifs, soit les flux soit des charges nouvelles, décaissées ou bien calculées. Des charges nouvelles, décaissées. Exemple, frais de fonctionnement, entretien, maintenance, dépenses nouvelles en charge de personnel. Ou bien calculées, ça veut dire la dotation aux amortissements de l'investissement accueilli au produit. Un impôt nouveau de l'accroissement du bénéfice réalisé. La mesure de la rentabilité économique d'un investissement porte sur les variations nettes. Les flux nets, ça veut dire les flux positifs ou les flux négatifs de trésorerie qu'elle génère. Je recommence, tout investissement induit des flux positifs, le prix de cession et des flux négatifs. Et dans la mesure de la rentabilité économique d'un investissement, porte sur l'évaluation des flux nets de trésorerie qu'elle génère. Je recommence. Tout investissement induit des flux positifs, c'est-à-dire des produits d'exploitation nouveaux, des recettes supplémentaires, le prix de cession éventuelle de l'équipement. Il y a encore des flux négatifs, soit décaissés, soit calculés. Maintenant, et dans la mesure de la rentabilité économique d'un investissement, porte sur l'évaluation des flux nets de trésorerie générale. Maintenant, on va discuter d'un autre point, c'est les flux nets de trésorerie. La mesure de la rentabilité économique de l'investissement consiste à comparer les recettes d'exploitation qu'il génère par rapport aux dépenses d'exploitation qu'il entraîne pour faire apparaître des flux nets de trésorerie. Le choix devrait se porter sur l'investissement qui procure le meilleur résultat, la meilleure rentabilité économique. La mesure de la rentabilité économique de l'investissement consiste à comparer les recettes d'exploitation qu'il génère par rapport aux dépenses. Recettes moins dépenses d'exploitation qu'il entraîne pour faire apparaître les flux. Le choix devrait se porter sur ce qui procure le meilleur résultat. Et bien, le choix devrait porter sur l'investissement qui a atteint le meilleur résultat, la meilleure rentabilité économique. Maintenant, qu'est-ce que c'est le revenu généré par l'investissement ou encaissement? Comme vous le savez, on parle de capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement d'exploitation est égale aux recettes nettes, assimilez-vous, est égale aux recettes nettes d'exploitation après impôt. Il est évalué chaque année à partir de l'année 1 pendant la durée de la vie de l'investissement selon deux méthodes positives. Et dans la méthode additive, qu'on dit le chiffre d'affaires induit, moins charge d'exploitation, moins dotation aux amortissements, est égal au résultat net. Donc, quand nous sommes nés à l'impôt, c'est le résultat net comptable, c'est une dotation, c'est une capacité d'autofinancement. Je recommence par la méthode additive. Et dans la méthode induite par l'investissement.
Il est gagné au chiffre d'affaires, moins charge d'exploitation, moins dotation d'exploitation, et la charge décaissée, et la calculée. Il est gagné résultat avant impôt, quand nous sommes l'impôt, qu'il y a eu résultat né. Qu'il y a eu dotation, qu'il y a eu la capacité d'autofinancement d'exploitation. Maintenant, on peut calculer la CAF par la méthode soustractive, comme vous le savez, dans le module de l'analyse financière. On dit le chiffre d'affaires induit, moins charge d'exploitation, est égal excédent brut d'exploitation, moins impôt, est égal la CAF. Et dans le fait de la CAF, nous sommes juste les dotations aux amortissements. Fais attention, nous avons l'impôt, attaquez-le tout de suite, face à tout de suite. Et donc, on a discuté d'un point, c'est la capacité d'autofinancement. Maintenant, on va discuter d'un autre point, c'est la valeur résiduelle nette de l'investissement. La valeur résiduelle nette de l'investissement, il s'agit de la valeur de revente probable de l'investissement à la fin de la période d'utilisation, après déduction de l'impôt éventuel sur la plus-value de la cession. Je recommence, qu'est-ce que c'est la valeur résiduelle? Il s'agit de la valeur de la vente probable, et de c'est-à-dire la valeur résiduelle. Un jour, nous menons l'impôt, et de c'est la valeur résiduelle nette. Je recommence, il s'agit de la valeur de revente probable de l'investissement à la fin de la période d'utilisation après déduction de l'impôt éventuel sur la plus-value de cession. La valeur résiduelle correspond le plus souvent à la valeur comptable nette. Il constitue une recette pour la dernière année. C'est vraiment qui correspond le plus souvent à la valeur nette d'amortissement. L'IA est égal à la valeur d'origine moins sigma de A. Ou qu'on a le la recette pour la dernière année. Qui n'a pas de d'avoir la valeur résiduelle, eh bien, je trouve la récupération du besoin en fonds de roulement. Et dans la récupération du besoin en fonds de roulement peut constituer également encaissement pour la, à titre de la dernière année. Fais attention. Eh bien, je trouve les emplois ou investissements. Et dans la récupération du besoin en fonds de roulement peut constituer également un encaissement au titre de la dernière année. Et dans les emplois ou investissements, l'investissement initial réalisé au cours au début de l'année 1 inclut le coût d'acquisition de production, d'immobilisation, le montant de la constitution ou l'accroissement du besoin en fonds de roulement, éventuellement les dépenses de formation de personnel et autres coûts induits. Et d'avoir l'investissement. L'investissement, je recommence, l'investissement initial. L'investissement initial réalisé au cours de l'année 0 ou au début de l'année 1 inclut le coût d'acquisition ou de production d'immobilisation ou le montant de la constitution ou l'accroissement du besoin en fonds de roulement ou éventuellement les dépenses de formation de personnel à haut coût induit. Quand je me filme, il y a un coût d'acquisition, ou quand je dis il y a l'accroissement du besoin en fonds de roulement, ou la constitution du besoin en fonds de roulement, ou quand je dis il y a les dépenses de formation et autres coûts induits. Je vois un autre point, c'est les flux nets de trésorerie générée. Dans le tableau des flux nets, on distingue trois parties, les encaissements d'exploitation et les flux nets de trésorerie. Je recommence.
Dans le tableau de Brunet de trésorerie, on distingue trois parties, qu'il y a encaissement, ou qu'il y a décaissement, ou qu'il y a le Brunet de trésorerie. Dans le tableau de Brunet de trésorerie, on distingue trois parties, les encaissements, les décaissements, les Brunet de trésorerie. On considère que le financement de l'investissement est réalisé à l'aide de fonds propres, et d'un lien à l'aide de fonds propres. Les encaissements, et d'un appelé à tableau du flux du nez de trésorerie, indice que trois parties. Les encaissements, il y a la carte ou la valeur du judaïque, récupération du besoin. Au décaissement, acquisition, constitution, le besoin en fonds de roulement. Et bien, les flux nez de trésorerie. On considère que le financement de l'investissement est réalisé à l'aide du fonds de roulement. Et dans la représentation schématique de la tableau. Voilà. À partir de l'encaissement, à partir de l'encaissement, à l'effluent de trésorerie, à la valeur résiduelle, à la valeur résiduelle, récupération, coût d'acquisition, coût d'acquisition. Et bien voilà, on va entamer un exemple. Une entreprise projette de réaliser un investissement commercial. Caractéristiques de projet prévu de l'année 0, valeur d'un bien terrain, valeur d'un bien bâtiment, élève, amortissable au monde sur 10 ans. Accroissement de besoin de mien ou chérine, élève. Conséquences. De projet sur 5 ans. Maintenant, chiffre d'affaires. Toutes ces sont données, 5 millions. Bien, 5 millions. Bien. Combien? En kilo. Ça m'y est, elle est là, en kilo. Fais attention. Le chauffeur des charges d'exploitation, m'y est, il y a une. Tu m'y es, tu m'y es, tu m'y es, tu merci. Voilà. On a les valeurs résiduelles à la fin du cinquième année. Nisbelle de la médecine, 1000 dirhams. Le bâtiment, c'est la valeur comptable. Récupération du besoin au fonds de roulement d'exploitation pour un montant identique. Et bien, on calcule la méthode par la méthode additive. On calcule par la méthode. Ou l'impôt de circulation, on calcule les flux nets de trésorerie. Et bien, on a Et then, ولكن هنا نقلوا هاد الاعداد عندنا 500 و550 و700 و900 و1100 اذا انا عمرو 500
Et enfin, ici. Bien. Bien. Il faut bien. Il se faut les charges d'exploitation. Il y a une, il y a une semaine, ou tu te mets aussi, ou pas mieux aussi, ou tu te mets aussi, ou tu te mets aussi. Voilà. Et dans l'amortissement, je vois. Alif, on se met à la 10 années, 1100 millions, on se met à la 10. Et dans l'alif, on se met à la 10, il y a 1000. Et dans l'alif, on se met à la 10 par kilo en kilogramme. Et dans l'alif, bien. Bien. Voilà. Et dans le nom, 500 naqis 200 naqis 100, et 200. 550 naqis 200 naqis 170. Il y a 80, 420, 80, 80, que tu veux, on en reste. Que tu te dis, il y a 80, si tu me dis, il y a 80, 80, voilà. كنديرو كنحسبو لامبو كنديرو 233 انتيير بورسون هي 33.33 مقسمة على 100 وكذلك كنابليكيو هاد لو طو على 170 وعلى 280 و 380 وكنخرجو اذا هادي كتخرج 66.67 وهادي كتخرج 50.67 و 93.33 و 380.126.67 و 440 كتجي 146.67 إذا كنخرجو الجزء الثاني كتجي 133.33 والأخرى كتجي 113.33 280 ناقص 186.67 و 380 ناقص 253.33 وأخيرا 293.33 وكنزيدو لامورتيسمون لامورتيسمون راه خرج معاها 100
Le chef de truche, Mietje Nzidora, Mietje Nketukati, Fasela Ketukati. Il a dit, Mietje Nketukpash, Fasela Ketukati. Mietje Nketukmani, Fasela Sibhaussi. Mietje Nketukati, Fasela Ketukati. Kitimia. Voilà, on a terminé pour la première de la première partie de la question, calculer la capacité de la méthode additive et dans la méthode soustractive, quand je touche les dotations, je n'ai pas de dotation, إذن هذه 300 وهذه تخرج 270 كنعملوا الضريبة عليها وكتخرجنا لا ميم شوز طبعا نعملوا الطابلو إذن نعاود هذه باش تفهموا إذا بلا ميثود سوستراكتيف كتبقى لا ميم شوز ولكن ما نديروش لاموتيسمون ما كنقصوهاش في الأول وما كنزيدوهاش في الأخر وكتبقى لا ميم شوز تبقى نسحبو إذن هذه نعمرو هنايا Voilà, je vais chauffer. Dans le gros tableau, il y a la capacité d'autofinancement, نقلوها فوالا خرجنا كنسحبو التوتال نقلو إذن نجي كنديرو زيرو Vos décaissements. Dans le coût d'acquisition, je vais le dire. Pour constitution de besoin en fonds de roulement. يوجد لنا صفو التوتال 1320
Non. 0. 0. 0. 0. 0. C'est fou. Moi, je fous le flux en noxon et d'un hédiaté. Nakas. Le fou qui est une yarbou et chérie. Voilà, tu me suis dit. ولكن الغلول الجديد الأولاني وعلى حساب القليل في 280 والأخر يتكال على غلول نت كونتاب يجي 500 ولا ريكوبيراسيون يجي 120 إذن هذاك الخيار كتولي ألف ميتين وتلاتة وتسعين دا لا فالور كونطاب نت فالور كونطاب نت هي 500 علاش لأن الوزن هي 500 إذا بقى 5 إذا 500 ولاخر قلنا 280 لا فالور جوج 100 إذا إذن هنايا 353 هنا كتجي 1200 قلنا تنميني من 96 دابا أونوا إتيدي لا رونتابيليتي c'est une étude de la rentabilité économique. La méthode comptable, les méthodes comptables et mesures de la rentabilité annulent le délai de récupération du capital investi. Et le délai de récupération du capital investi est la durée au bout de laquelle le cumul de cette nette d'exploitation jusqu'à ce qu'on a appelé au milieu net de trésorerie est égal au montant de capitaux investis. Je recommence. Le délai de récupération du capital est la durée au bout de laquelle le cumul de cette nette d'exploitation du flux de nez est égal au montant de capitaux investis. L'objectif de ce calcul est de préserver l'équilibre financier de l'entreprise. Je recommence. Le délai de récupération du capital investi, il y a le montant, parce que nous les recettes d'exploitation est égal au capital investi. L'objectif de ce calcul est de préserver l'équilibre financier de l'entreprise. Parce que nous savons le calcul de là, on a trois étapes. Et en première, le cumul de trésorerie. Quand nous savons le cumul de trésorerie, au troisième, pour la deuxième étape, quand rapprocher le montant de l'investissement avec le cumul du flux. Ou quand ça revoit, on déduit la durée nécessaire pour affecter le taux d'investissement. Et d'un. كاينه في لا ميثود نعاود لا ميثود كالكول كنعملو لو كومي دو فلو دو تريزوري و كنرابروشي لو مونطون دو لين افيك لو كومي دو فلو و انديدوي لا دوري اذا باش تفهمو غنعطي ان اكزومبل soit un investissement d'un montant de 15 000 dirhams d'une durée de 5 ans, générant le flux 4 000. En
annuel 4 000. Et donc, combien de temps faut-il le retour sur investissement? إذا الكاباسيتي دو دو كوميون عندنا 4000 زائد 4000 هي 8000 زائد 4000 اللي تشوف ستاتيستيك زائد 20000 هي الكوميون 20000 إذا نجاوبو إذا l'investissement s'élève à 15 000 dirhams, et un 15 000 dirhams, et un retour, l'investissement. Réalisera en le courant شحال عندنا 15 إذا كاتريام أني لأن السنين حقتنا 12 حنا عندنا 15 إذا العقود كاتريام أني calcul comptable. Et dans notre cas, la durée des 6, on calcule. إذا 300 دانا 3 سنين فايتة زائد نديرو 15 انتربولاسيون لينيير 15 ناقص 12 على 15 لا 16 12 والربوع 30 الايتيكا 3 3 جا تخرجنا عند الربوع هنا في 30 باش نتهناو 30 ماشي تعطينا 3 9 موا Appelez-le. Soit. Première. Voilà. On a répondu à la question. À d'avoir le délai de récupération ou toujours la méthode comptable. C'est bon, je crois. Je crois le taux de rentabilité ou de rendement
comptable. Il exprime sous la forme d'un pourcentage de la part de bénéfice annuel moyen par rapport au montant de l'investissement initial. Il est le taux de rentabilité ou le taux de rentabilité au rendement comptable. Les canotaires TSC, il exprime sous la forme d'un pourcentage la part de bénéfice annuel moyen par rapport au montant de l'investissement initial. Et dans la formule IRDA, et dans TSC, ça veut dire le taux de rentabilité comptable ou le taux de rendement comptable qui est bénéfice annuel sur le montant de l'investissement. On a un exemple. Et bien, soit un investissement de 40 000 sur 6 ans. Les bénéfices comptables nuls ou moyens. بعلف وتمية أردن بعلف وخمسمية بعلف سالف وخمسمية خمس آلاف وبعلف ومية كي سوغا لو بينيفيس أنويل موين إذا لو بينيفيس كنجمعهم وكنقسمهم على ستة كتجي أربعة إذا لو طو دو رونتابيليتي هو 4000 سو لانفيستيسمون 40000 كتجي 1200 سيت ميثود إتيليزي إي سوفون إتيليزي بار لي بي إم إي فوالا. Il y a deux les méthodes comptables. Il y a la méthode comptable. Il y a la rentabilité économique de l'avenir. C'est un qu'on utilise les méthodes comptables. Et le délai de récupération du capital. Donc, deuxièmement, hein, le taux de rentabilité ou de rendement comptable. Maintenant, on va voir une autre méthode, c'est la méthode de l'actualisation. Les méthodes de l'actualisation. Rappel des principes de l'actualisation. La technique de l'actualisation permet d'évaluer aujourd'hui l'équivalent d'un flux monétaire futur à l'aide d'un taux qui tient compte de l'inflation et du risque incurru par l'investisseur. Idem. À la technique de l'actualisation qui permet d'évaluer aujourd'hui l'équivalent des flux monétaires futurs à l'aide d'un taux qui tient compte et d'un qui bat l'inflation ou le risque encouru par l'investisseur. Et il y a le principe de l'actualisation. Et dans le méthode de la formule, qu'un DOD moins V0 est égal à VN ou carré A moins N. Et dans la valeur actuelle, à la période N, ou à Dahoua, et donc voilà, il y a l'actualisation. Il y a les flux à actualiser. Il y a les flux, le premier flux, ou les dépenses liées à l'investissement, ou les prix de cession de l'ancien équipement. Prix d'acquisition, frais initial, accroissement. Pour le 7 nez, qu'on dit au bois encaissement ou encaissement, ou la valeur à la fin de la période, ou récupération du besoin en fin de période. Il y a les valeurs, les chachnev, l'oué, il y a la gaffe, mais ça vaut l'actualisation, il y a là à la fin. À la fin. Je recommence. Et dans les flux actualisés, dans les flux qu'on a qui sont positifs ou négatifs, je ne peux actualiser. En outre, quelles sont les dépenses liées à l'investissement, ou quels sont les prix d'acquisition, de mobilisation, frais initial, ou accroissement du besoin en fonds. Et donc, moi, les dépenses, principalement les recettes, c'est un encaissement ou un décaissement. Ou qu'on actualise la valeur du sujet de l'investissement à la fin de la période d'utilisation. Ou qu'on actualise la récupération de la variation du besoin en fonds de roulement en fin de période. C'est bien, je crois. Je suis fou.
le taux d'actualisation utilisé. Il s'agit du taux de rentabilité minimale défini par l'investisseur. Il s'agit du taux de rentabilité minimale défini par l'institution. Il est déterminé par rapport au risque encouru, par rapport à d'autres projets et selon le taux de marché financier. Identifier le taux d'actualisation utilisé ou le taux de rentabilité minimale défini par l'investisseur. Il est déterminé par rapport au risque encouru par rapport à d'autres projets et selon le taux de marché financier. Et en haoulant de calculer le premier qui n'a la valeur actuelle nette. Un investissement est rentable si la valeur actuelle nette des flux nets de trésor net ou de recettes nettes d'exploitation est positive. Qu'en dirons-moi l'investissement? Le montant de l'investissement 5, aucun nous sommes non à tout volume, aucun cerveau, l'actualisation. L'actualisation avec le taux d'actualisation, liquide défini, on aura ou la valeur actuelle ou le taux de rentabilité défini par l'investisseur, ou le taux de rentabilité minimale défini, ou qu'on dit le montant de ou 5, ou R, ou l'unité de différents. Il est qu'un supérieur à 0, quand pour le 26 rentable, ou il est qu'un 4-4, quand pour le taux d'actualité est égal au taux de rentabilité, ou il est qu'un supérieur, quand dirons un investissement non rentable. Je vous prends un exemple. Il est un flux net de trésorerie Maedo, où le taux d'actualisation est à la et dans une calcul de vente, et dans vente est égal moins capital, moins capital, il y a L ou Kiltimia ou Echirin, L ou Kiltimia ou Echirin, ainsi de l'IA, Kiltin ou Kiltin, Facela, Kiltin. نسدو هادي نسدو القوس شحال عندنا ان فيرتيك ان ان فيرتيك ان نسدو
Donc elles diront, mais c'est notre tâche. Les autres en واحد à la puissance 2. تسعمية ثلاثة وخمسين وصل ثلاثة وثلاثين Le fournier tient 95. Voilà. C'est-à-dire que ça coûte 4000. 7 millions, 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 7 millions,
Et donc, l'investissement est lent pas. C'est pas un souffle. Donc, un thème de rentabilité. Et dans le temps, un thème de rentabilité. Et dans le temps, un thème de rentabilité. Et le taux d'actualisation pour lequel la somme des flux nets de trésorerie est égale au montant de l'investissement, ça veut dire la valeur actuelle nette est égale à zéro. Je recommence. Le taux interne de rentabilité et le taux d'actualisation pour lequel la somme des flux nets de trésorerie est égale au montant de l'investissement, ça veut dire la valeur actuelle nette est égale à zéro. Méthode de calcul est égale à moins C, dans sa boucle aussi est égale à zéro. Et dans les faut chercher le taux. Et donc le taux doit être le plus élevé possible. Nisba l'exemple, je peux le traiter dans d'autres vidéos. Fais attention, il y a un acte. Donc, je peux le traiter. De même, je vous le délai de récupération. Avec le délai de récupération, il est analogique il est analogue à celui de la méthode comptable avec plus d'actualisation des flux nets de trésorerie de précision. La méthode comptable. Et dans la première méthode, il fait des étapes, il fait trois étapes, il cumule les flux de trésorerie actualisés, ou en rapprocher le montant avec le cumul des flux, ou en déduire la durée nécessaire pour effectuer le retour sur investissement. Et donc, je commence. Et dans le cerveau, le cumul des flux nets de trésorerie actualisé. On déroule deuxième étape, rapprocher le montant de l'investissement avec le cumul des flux. On déduit la durée nécessaire pour effectuer le taux sur l'investissement. On s'avoue le choix entamer un autre point. C'est le choix entre plusieurs investissements. Il est parfois délicat de comparer la rentabilité économique de plusieurs projets lorsque le montant des investissements a duré définie. On va les traiter dans d'autres vidéos. Le choix entre plusieurs investissements. Il est parfois délicat de comparer la rentabilité économique de plusieurs possibles lorsque le montant des investissements et de durée sont différents. Mais dans d'autres vidéos, on va entamer des cas pratiques concernant la vente, concernant le taux interne de rentabilité, le délai de récupération du capital investi et de l'indice de profitabilité et le choix entre plusieurs investissements. Merci de vos attentions et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser la question.